Et bonjour, donc nous voici cette semaine pour une petite présentation de toutes les multiplications de bottles, les multiplications de bouteilles, pardon, multiplying bottles, je voulais dire, que nous on a en magasin. Alors, elles ne sont pas toutes ici, il y en a encore derrière, mais on a gardé entre guillemets les plus jolies pour la fin. Et je vais en recevoir d'autres, mais... Voilà. Donc voilà, donc pour commencer, ben, donc on a les celles qui sont. Alors, toutes ces. Avant, pour les, avant de les citer une par une, tous les modèles qu'on a ici, bon, bien évidemment, sont tous différents. Il y en a à 4 bouteilles, il y en a à 5 bouteilles, il y en a à 3 bouteilles. Donc 6, donc. Voilà. Là, c'est T'as modèle 6, 6 mais je veux dire, bouteilles. oui, c'est, à chaque fois, c'est des Là, doubles. c'est Hein. 8. Voilà. Là, c'est Non, là, c'est 10, puisqu'il y en a 2 fois 5. 8. Là, 8, là, 10 et là, 10 8. Voilà. et 8. Mais bon, j'ai sorti qu'une Une série. qu'une série, parce que ça sert à rien de tout sortir. Donc c'est des prix qui sont quasiment identiques, c'est-à-dire ça varie de 95 euros jusqu'à 120, Pour à tous ceux qui part, ouais, sont là. pour ceux-là, à part ceux-là qui sont à 189. Ouais, avec Voilà, bah, 180 et après quelques. c'est vraiment juste le design qui change, et c'est vrai qu'en bouteille de vin, il n'y en a que 3, enfin du moins que 3, il y en 6. a 6. Mais voilà, par contre elles sont vraiment très très jolies, donc franchement très bon matos. On va commencer par là. Donc, ensuite, donc les premières qu'on a eues sur le site, je crois, c'est les Chivas. Alors, les Chivas changent énormément de design de semaine en semaine. La structure de la bouteille, c'est-à-dire par rapport à la finesse de la bouteille, c'est la même chose, mais les dessins, souvent changent. Avant, c'était du papier vraiment mat, vulgairement collé. Là, bon, j'ai vu qu'ils sont passés sur des étiquettes glacées. C'est monté en gamme, donc ça reste raisonnable. Hein. Donc c'est 8 Voilà, bouteilles. donc c'est 8 bouteilles, les tubes sont en métallique, peints avec des petits autocollants. Le produit est raisonnable. Ensuite, on a les Chivas, mais 5 bouteilles ce coup-ci, toujours avec la même qualité d'étiquette, donc c'est très bien. Et deux couleurs. Alors, c'est très beau aussi, en couleur, toujours alors, le même tube. Là, ils ont rien changé sur ça. Et on a 5 bouteilles. Donc le prix est un peu plus élevé. Donc là, tu les as pas mis en quinconce comme l'obligent normalement Oui, parce les que là notices. on est à la caméra, donc comme tu es un petit peu plus près, Et tu as préféré faire un autre ouais, système, et c'est vrai que ça se voit une moins. vague. Je Ça se voit moins. préférerais faire une vague. Ensuite, on a les bouteilles, bon, qui sont ultra, ultra, ultra connues. Non, d'ailleurs, je disais que c'était eux qu'on avait vu en premier, c'est pas vrai, c'est une bêtise, c'est eux. C'est les Martini. Les Martini, Elles ce sont 120, je design-là, crois. sont vraiment très, très connus. Donc, c'est le même. Ils ont un design légèrement différent par rapport aux Chivas. Elles sont légèrement, légèrement plus grandes, mais c'est la même, plus ou moins, la même forme. Et là, c'est en x4, enfin x8. J'ai sorti qu'une série. On est sur du tube aussi métallique, donc un petit peu plus souple que ceux-là. Parce que ceux-là, ils ont fait une petite collerette de retour, du coup, ça renforce le tube. Mais je veux dire, c'est pareil pour les deux. Donc, ça, par contre, elles sont toujours brillantes comme ça. Pour l'instant, j'ai jamais vu des Chivas Si, glacées. en Si, plastique. en plastique? Ceux qui sont en Plastique, plastique, oui. plastique? Bon, les passe-passe bottle, D'accord, passe-passe, ils sont en ok. plastique et sont moins belles. Voilà. Donc là, les Martini, donc très connus. On a Les juice. les juices, ouais, les jus en 5 bouteilles. Alors notamment, alors c'est bizarre, c'est que très beau matos, le tube est joli, c'est bien fait. Il est propre, il est rigide, pourtant c'est du métal, hein, mais il est rigide, vraiment très rigide. Si j'appuie dessus, je l'écrase pas, hein, faut vraiment que je le fasse exprès. Comparé à du tube comme ça, ou si j'appuie, voilà, ça fait ressort. Donc c'est vrai que voilà, c'est très bien parce que le tube est très rigide, donc une bonne tenue. Il y a 5 bouteilles, donc bah, 5 bouteilles quand même, quand Ça fait vous avez deux 10. jeux, enfin je veux dire, le lot complet, vous avez 10 bouteilles, donc ce qui est énorme, et en plus c'est le moins cher. Il sort à 95 euros, on ne sait pas pourquoi. Donc là, tu dis des prix, mais peut-être ça peut Oui, ça changer. peut changer, mais je veux dire, Je ne sais pas quand c'est. est-ce qu'ils vont regarder cette vidéo, mais comme les prix changent, Tout à ça peut fait, mais je veux changer. dire, voilà, ils Ouais. sont moins chers que les autres, donc et voilà, c'est le même. Là, on a l'impression que c'est le même moule, donc voilà, ça, on ne sait pas pourquoi. Les bouteilles sont sympathiques, c'est que des jus, ça passe très très bien. Franchement, ça passe très très bien. Et donc, et pour finir, donc le modèle qu'on a eu il n'y a pas très longtemps, qui est en bouteille de vin, tube aussi très rigide. On est sur la même qualité que ce tube-là. Donc là, on commence à monter en gamme et en Oui, finesse ouais. Ben, alors, et en longueur. en finesse, pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est des bouteilles de vin. Ça, c'est pas des bouteilles de vin. Donc, ils se sont vraiment rapprochés du design et de la taille d'une bouteille de vin rouge. Donc, c'est vrai que c'est très très joli, c'est très bien fait. La peinture est très belle. Franchement, rien à dire. Voilà. Là, c'est moins de 200 euros. Voilà. Par contre, ceux-là ne possèdent pas d'eau à l'intérieur. T'es sur le Oui, Martini aussi? c'est sûr et certain à Il me 100%. semble que le Martini, Non, oui. c'est sûr et certain à 100%. Oui. Voilà.
Ah ouais, alors le maître dit, ouais. Exact. C'est, enfin, qui, ouais. C'est qui alors, le patron attends. C'est qui le patron? Ah ben celle-là aussi, alors c'est lesquelles qu'ils ont. Allez, pas. Vas-y. Ah ben elles ont toutes. Voilà, on tous du liquide. C'est la petite à chaque fois. C'est bon? Oui, il est... Tiens, tu seras viré. Eh ouais, là aussi. Donc, ben, toutes. Donc, très belle bêtise, hein, comme quoi c'est un tour que j'utilise jamais. C'est juste pour la présentation. Je ne savais même pas que c'était avec des liquides. Tiens. Donc, finalement, elles ont toutes le liquide à l'intérieur. Donc, c'est une bonne chose, tant mieux. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est en forme de bouteille de vin. Donc, c'est sûr que c'est quand même très, très joli. Au niveau design, c'est très beau. Et après, donc, on va passer aux deux dernières qu'on a reçues. Donc, ils sont là-bas. Alors, donc, et pour passer maintenant au dernier modèle qu'on a reçu, donc c'est du Tora, Tora Magique. Alors là, bon, par contre, je les trouve exceptionnels. Donc, elle possède bien évidemment, je ne dis pas n'importe quoi, voilà, celle-là, je l'avais vue, voilà. Donc, le liquide aussi à l'intérieur, autant pour cela que cela. C'est du tube métallique aussi. Très belle finition au niveau du tube. C'est, je ne sais pas si on le voit, mais c'est peint style peau d'orange. Donc c'est des peintures qui, c'est la peinture qui fait ça exprès, hein, qui frise, voilà. Donc ça fait une belle, vraiment une belle finition. C'est un tube qui est costaud aussi. Et là par contre on a un design de bouteille, alors c'est du x4, hein, c'est un x8. Mais sur les bouteilles de vin, alors je trouve que le fini sur la bouteille de vin, bon les autres sont très belles là-bas aussi, hein, mais bon, on n'est pas sur la même gamme de prix aussi. Il existe des vertes, des rouges, des jaunes. Ouais, alors il y a j'ai les. J'ai pas réussi à toutes les avoir. Exactement, donc le. La semaine prochaine, j'ai le des design rouges. Est différent au niveau de l'étiquette, enfin, au niveau du de l'aluminium qui est ici. Hop là, un moustique. Au niveau de l'étiquette qui est ici, donc il y a bleu, vert, rouge, il y a violet, je crois que c'est tout. Et après, ouais. Il y a une série comme ça qui est en martini, c'est ça? Il y a une voilà. Série martini. Voilà. Donc là par contre voilà, si enfin tu peux te rapprocher, la qualité et la finition de la bouteille elle est exceptionnelle. C'est franchement c'est vraiment bien peint. Donc c'est vraiment très 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 propre, ça brille. Là enfin quand vous tenez ça en main sur scène, c'est mais quand elles apparaissent, on n'a pas l'impression c'est... de cette petite taille de qui va en quinconce. Ben bon déjà il y en a 4 donc forcément il n'y en a pas 5, c'est sûr que voilà, mais bon voilà, c'est elles sont magnifiques au niveau design, ça donc on est sur la même gamme, mais c'est tout simplement des bouteilles de jus aussi. Hein. Donc, voilà, après, c'est le choix. Alors peut-être que c'est de gens. L'alcool, que ça pourrait passer de l'alcool. Oui, vodka. Oui, hein. Tout à fait, oui, ça c'est du... Ça c'est vodka, ouais. Oui. Donc c'est les fruits alcoolisés. Exactement. Donc ça fait bouteille d'alcool qui apparaît. Voilà, après... Alors moi, j'ai un lot que je me sers de... Pour dire que des fois vous pouvez acheter plaisir l'eau et les mélanger. Ouais. Je vais tourner la caméra. Et c'est cela. Là il n'y en avait pas de place, on les a mis ici. Et là c'est des modèles où il y a tout mélangé. Et le fait que ça soit tout mélangé en taille, en couleur et tout ça, ça passe mieux. Donc ça c'est de l'eau Alors ça c'est de l'eau à 600 euros. Ouais, à 600 euros. Donc c'est vrai que là par contre c'est pas donné. Parce que du coup là le lot qu'il y a ici, il y en a pour 1200 euros. C'est pour dire que vous pouvez acheter plusieurs lots voilà, des fois et mélanger. Alors ceux-là sont livrés incroyables avec des vulgaires, j'allais dire, tubes en carton. Alors ça c'est exceptionnel, c'est le lot le plus cher qu'on ait et c'est livré avec des tubes en carton. Alors allez savoir pourquoi ils nous ont mis ça. Mais après c'est vrai qu'au niveau de la qualité de la bouteille en elle-même, c'est très très joli, là, forcément il n'y a rien à dire, hein. On est sur une bouteille qui est un peu à chaque fois un peu métallisée, bon, à part sur ces couleurs comme ça, des marques qu'on connaît, donc du coup voilà, c'est très joli, et ça c'est des bouteilles x3, donc en fait elles sont livrées, il y a deux tubes, mais c'est livré avec 9 bouteilles, donc 3, 3 et 3, mais il y a seulement deux tubes, donc je suppose que c'est pour les routines, mais on a besoin de recharger d'autres bouteilles qui sont cachées, donc voilà, c'est vrai que c'est très très joli, hein. Il n'y a rien à dire, c'est très très beau, mais par contre c'est très cher. Donc voilà ces modèles aussi, donc métalliques bien évidemment. Et je ne les ai pas mis, mais elles existent. Voilà. Si vous voulez les commander, vous allez chez Murphy, vous regardez elles sont, là. Elles ne sont pas sur le parce site. Parce qu'il y en a, c'est que la série de derrière. Oui, que ce design-là. Ou tout mélangé. Voilà. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est que le modèle Tora. Et tous les nouveaux modèles Tora, ils sont très fines et très belles. Donc en sachant qu'il y a plusieurs couleurs, s'il y a une couleur que vous voulez vraiment.
personnellement. Vous nous appelez, suffit on vous dit si on peut l'avoir. Voilà. Nous, on regarde ça sur notre, chez notre fournisseur, puisque bon, il y a quand même plusieurs modèles. Et nous, après, on peut vous les commander par rapport à ce que vous voulez. Et vous savez que quand on commande, souvent, nous, on commande le vendredi. Donc, on l'a sous 3 jours. Donc, le lundi matin, on reçoit. Voilà, c'est quand même extrêmement rapide. Donc, vous pouvez vraiment les commander au dernier moment. Voilà, donc, voilà, donc lundi, on en reçoit d'autres nouvelles couleurs. Plus en bouteille de vin de couleur exactement. Rouge. Voilà. Alors, moi qui fais pas, parce que juste par truc, d'ailleurs, la preuve, je me rappelais même pas que les autres. Enfin, je savais qu'il y en a qui étaient. Qui avaient de l'eau et qu'il y en a qui n'avaient pas, mais pourtant, bah, si, elles sont toutes. Alors, moi qui fais pas ce tour, j'avoue que quand je vois les autres et que je vois ceux-là, même pour le prix, bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus cher, je me dis waouh, c'est. Du coup, le tour en devient joli. On a toujours peur de dire oh, je ne fais pas les bouteilles, les multiplications de bouteilles, ou le passe-passe bottle parce que c'est vieux et parce que c'est connu. Et aussi, c'est parce que, comme on travaille souvent ensemble, moi je l'ai fait, donc ouais, du coup, toi, tu fais autre chose. Mais c'est vrai que quand on voit vraiment les routines, du coup, faites, même sérieusement, hein, si on prend la routine de Lance Burton par exemple, avec le petit nœud, le foulard sur les bouteilles, bon, il fait un passe-passe bottle, mais du coup, ça devient magnifique. Mais du coup, ces routines-là. Toi, t'es plus Lance Burton. Oui, moi je fais plus ça parce que voilà. Hugues Prota, il le fait à la comique, donc bien évidemment. Mais c'est vrai que voilà, du coup, de faire de belles routines avec de belles bouteilles, j'avoue que là, du coup, c'est intéressant. Les bouteilles sont tellement belles que du coup, on a moins peur de se dire ah oui, mais les gens vont voir qu'il y en a des plus petites que d'autres. Non, là, franchement, avec les dernières séries. Alors, je sais pas la gamme de prix, je sais que c'est beaucoup plus cher par contre. Je les ai pas encore mis, donc mais voilà, peut-être 300, je sais pas. Voilà, c'est au moins le double. Mais par contre, voilà, c'est du très très beau matériel. Voilà un petit peu pour toutes les bouteilles, les multiplications de bouteilles qu'on peut avoir au magasin. Donc maintenant que vous avez un petit peu toutes vues, vous pourrez faire votre choix un petit peu plus facilement. Voilà, allez, à bientôt.